Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite carte que vous pouvez réaliser avec vos chutes de papier. Donc, on va partir dans de la récup aujourd'hui avec les nouvelles découpes pour cette petite carte. Il vous faut bien sûr des chutes de papier. Ça, c'est la logique. Donc, moi, j'ai pris ces trois papiers, puisque j'avais envie, là j'étais partie dans le mauve, là j'avais envie de travailler un petit peu de vert. Donc moi je vais prendre une base de couleur de 10,5 sur 14,5. Donc ça c'est toujours, comme je vous explique, c'est toujours la base de mes cartes. Donc vous, si vous préférez travailler avec du 14 sur 14 ou si vous avez d'autres dimensions, c'est vous qui faites comme vous le souhaitez. Moi, c'est mon style de carte. C'est le style de carte que j'aime. Parce que dans une feuille A4, je fais 4 cartes. On va faire des bandes de 1 cm. Donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on a 3, 6, 9. Bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Si on a une perforatrice carrée, certaines ont des perforatrices carrées, vous pouvez directement avec l'angle de la perforatrice venir faire vos découpes ici. Ou alors, vous avez cette perforatrice et à ce moment-là, c'est pareil. Pour découper, vous allez venir ici faire vos entailles. Si vous voulez avoir des entailles régulières. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie. Donc, pas beaucoup de matériel, une paire de ciseaux. Et c'est parti. On va, donc en fait, le but, c'est de faire après une bordure avec ce que vous avez à la maison. Soit une bordure, une perfo bordure. Ou soit une découpe. Donc moi j'ai utilisé celle-ci pour la première carte. Donc pour la largeur de la bande, je vous conseille de prendre environ 3 cm. Comme ceci. Et donc, forcément, c'est plus grand. On va venir recouper après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Pour pouvoir passer les petites languettes en dessous. Moi, je vais mettre pour l'instant des petites mousses 3D uniquement aux extrémités. Ensuite, on va venir alterner ces petites bandes de papier. Ensuite, lorsque c'est fait, on va découper ce qui dépasse ici. On va coller la carte sur la base, comme ceci. Ensuite, on va faire un joli petit nœud avec un petit ruban. Alors, il faut que je trouve quelque chose d'assorti à ma carte. Alors, une cocarde, deux cocardes, les petites oreilles, on les passe et on a son joli petit nœud comme ceci.
Et voilà, hop, on lui coupe les pattes et on va lui mettre une petite pointe de colle. Ensuite, on va mettre un petit texte. Et comme c'est une carte toute douce, je pense que je vais découper un bienvenue pour Bienvenue bébé. Et bienvenue bébé, c'est pas top ça? Et donc pour celles qui se rappellent de ce que j'ai dit il y a quelques jours pour les découpes, on va mettre du double face derrière l'étiquette. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre les deux? Ouais, ça va pouvoir se faire. Donc, je vais en mettre partout. Comme ceci. Et donc, le fait d'avoir mis du double face derrière, quand on va faire sa découpe, automatiquement, on aura déjà le double face derrière. Et en fait, quand on va retirer le texte, hop, derrière, on a déjà la colle. Bon, là, bien sûr, il est parti pendant que je décollais, mais c'est pas grave. Et donc voilà la carte faite avec les chutes.